Il est 21h15, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais faire une carte. Voilà. Mais je vais faire une carte, j'ai pas encore fait de carte comme ça. Depuis que je les ai achetées, surtout. Voilà, j'avais acheté les aquamarqueurs d'action avant le confinement. Donc, j'ai toute la série, hein. Voilà. Hop, je vous montre. Donc, je vais faire une carte avec ces... Bon, je vais vous tomber, voilà. Donc, je vais faire une carte avec eux. Et j'ai sorti également mes aquarelles. Alors, là, c'est mes aquarelles de... Des aquafines de Deller René. Non, sa Fifi, c'est pas un verre. Elle adore les verres d'eau, Fifi, mais là, c'est pour la peinture. Donc, mes aquarelles comme ceci. Voilà. Les Deller René. Bon, je sais pas. Hein, ça. Donc, je vous montre. Celle-là, je m'en suis déjà servie. Je ne sais jamais ouvrir la boîte. Je ne sais jamais ouvrir la boîte. Ah, voilà. Voilà, je vous montre. Et j'ai sorti également, je ferai peut-être un essai avec, malgré que je sais que ce n'est pas la même qualité, les aquarelles d'action, pareil, que j'avais acheté il y a longtemps. Et là, vous voyez, elles sont encore toutes neuves. Je m'en suis jamais servie. Donc, je verrai si je m'en sers aujourd'hui ou pas. J'ai d'ailleurs encore... J'ai aussi les autres aquarelles d'action que je ne me suis jamais servie. Ensuite, alors, je vais faire avec des cartes d'action comme ça, les petites. Les 14, 10 et demi. J'ai déjà découpé pour le plus vite les premiers fonds de cartes. Alors, j'ai prévu pour deux cartes, parce que je ne sais pas si je vais en faire une ou deux, mais j'ai prévu pour deux cartes. Donc, j'ai déjà prévu les fonds de couleur et les fonds blancs. Voilà. Pour spécial aquarelle. Ma colle, les demi-perles, tout ça. Là, j'ai pris deux découpes, comme ça. Et j'ai fait mon tamponnage déjà. Alors, j'ai fait mon tamponnage avec la Senzone, celle-ci. Voilà, avec séchage rapide. Et donc, j'ai fait ces deux tamponnages-là. Donc, je vais d'abord commencer par les petits chats, certainement. Donc, c'est les tampons d'action aussi. Hein. Donc, c'est la première fois que je les fais aussi. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, j'ai mon pinceau réservoir d'eau. J'ai également deux autres pinceaux comme ça. Ce n'est pas des pinceaux aquarelles, mais bon, ils vont me servir. Puis bon, la colle, le double face, les demi-perles, parce que si jamais je n'arrive pas à faire mes demi-perles avec la peinture, j'utiliserai ça. Et puis, bon, je pense que c'est bon. Alors, je vais vous changer de place. Et puis, ben, je vais commencer. Donc, voilà. Là, je vais préparer mes fonds de cartes déjà. Enfin, tout au moins un. Et ensuite, je ferai les fonds de cartes. Je vais les faire à la peinture d'aquarelle, à l'aquarelle peinture. Et le tamponnage, ça, je vais le coloriser avec les aquamarqueurs. Voilà. Allez, je vous change de place. Thank you.
Thank you.
Bonjour. Alors voilà, j'ai fini ma carte. Bon, j'ai pas fait tout comme je voulais. Ça, je l'ai pas mis en fin de compte. Donc voilà, ma petite carte toute mignonne. Donc avec mes petits chatons. Donc avec un petit fond à l'aquarelle. Avec après des petites taches, vous voyez, comme là. Les taches que j'ai fait avec le pinceau, hein, que j'ai fait comme ça avec mon pinceau. Voilà. Et mes deux petits minous. Je sais pas, ça floute pas. Non. Voilà. Bon, ça va. Là, c'était la première fois que j'utilisais donc les feutres aquarelles, les aquamarqueurs. Ça va, j'aime bien. Bon, je referai d'autres, hein, bien sûr. Bon, là, mon découpage n'est pas net, mais bon. Mais c'est une soirée. Hein. Puis sur celui-là, il n'y a pas de dice, donc. Mais sinon. Bon. Non, mais. Elle est mignonne, j'aime bien. Pour une petite fille, c'est joli. Voilà, comme c'est rose, c'est pour une petite fille. Hein. Une carte est rose. Donc, voilà. Et bien, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Vous me posez en commentaire, hein, comme d'habitude. Vous mettez des petits pouces bleus. Voilà, ça fait toujours plaisir. Si vous passez sur ma chaîne, là, que c'est la première fois, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, ça fait plaisir aussi. Vous pourrez voir sur ma chaîne, mais c'est assez diversifié. Il y a du scrap, de la carterie, du cartonnage, du diamond painting. Donc, c'est pas toujours la même chose. Hein, donc, n'hésitez pas donc à vous abonner. Et puis, il y a régulièrement aussi des concours. Voilà. Bon, ben, ça va, je suis contente. Ça me change, hein, en plus, ce petit modèle-là, tout mignon. Alors, j'ai oublié de vous dire, le papier que j'ai utilisé, là, pour le papier aquarelle, c'est celui d'Action aussi. Donc, c'est celui-là. Ben, j'en avais entendu du mal pour travailler l'aquarelle dessus, justement, mais bon. Ça va, parce que j'ai entendu qu'il peluchait. Il y en a qui disaient qu'il peluchait, mais je crois qu'il y en a un autre où la tache est rouge au lieu d'être bleue, donc c'est peut-être celui-là. Je sais pas s'il y a une différence, mais bon, dites-moi si vous l'avez utilisé, ce que vous en avez pensé, ce serait intéressant de savoir. Mais là, moi, j'ai pas eu de gros soucis, non. Voilà, de toute façon, ça se voit, hein, il n'y a pas de peluche, il n'y a pas de... Non. Donc, même pour les petits chats, hein, j'ai utilisé le même papier. Donc, le fond de carte, là, et les petits chats, j'ai utilisé le papier aquarelle. Voilà. Donc, en dessous, ici, le trait plus foncé qu'on voit, c'est un fond de carte... ben là, c'est plus la même couleur, mais c'est du cardstock comme ça, hein. Voilà, et la carte, je disais, c'était une carte 14,5, 10,5 à peu près. Pareil, alors c'est je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, c'est un peu, vous voyez, elle est irisée. C'est rose irisé. Voilà. Bon, je vais en faire quelques photos. Je vous les mets à la fin de la vidéo, comme je fais d'habitude. Et là, pour aujourd'hui, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de nouvelles belles choses. À bientôt. Gros bisous. Ah, ben voilà, Fifi, il est temps. Elle vient vous dire bonne nuit. Non, mais Fifi, tu viens dire bonne nuit. Oh, non, t'es venue, tu viens dire au revoir. Au revoir, les copines.
Au revoir les copines à maman. Allez, je vous laisse. Gros bisous. À bientôt.